Hideo, allô. Attends, de quoi on est fait? Hein? De cheveux, de peau. Mais non, je veux dire de quoi on est fait à l'intérieur. Des organes, des poumons, il y a aussi des os. Mais non, je veux dire à l'intérieur, plus profond, la matière qui nous compose. Il faut que je sache. Autour de quel se déplacent les électrons. L'atome est le composant de base de toutes les matières. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du tableau périodique et son auteur. Commençons par le tableau périodique. Imaginez un tableau où chaque case renferme une mélodie unique, une symphonie qui compose notre univers. C'est une œuvre d'art par le génie Dmitri Mendeleïev. Je vous parle de ce génie. Dmitri Mendeleïev est un chimiste russe, né en 1834 et décédé en 1907. Malheureusement, il a perdu son père à l'âge de 13 ans, mais malgré ses difficultés, il a obtenu une bourse pour son université et a été le premier dans son école. Maintenant, revenons à notre sujet principal, le tableau périodique. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs couleurs et chaque couleur représente un type d'atome. Par exemple, l'hydrogène, son symbole chimique est le H, mais aussi le plus petit atome dans tous ces atomes que vous voyez dans le tableau. Et aussi le premier dans le classement et le plus utilisé dans les molécules. Par exemple, le carbone, le C est le symbole chimique du carbone. Mais vous allez vous demander pourquoi N est le symbole chimique de l'azote alors qu'il n'y a même pas de N dans son nom. C'est car, en anglais, son nom est le nitrogène. Expérience physique. De quoi on parlait déjà? D'atomes et de molécules. Ah, imaginez si ces atomes se rassemblent pour former quelque chose de plus grand. Très bien, c'est là que les molécules entrent en jeu. Les molécules sont comme les maisons que nous construisons avec ces briques d'atomes. Par exemple, l'eau est la molécule d'hydrogène et d'oxygène. Cela commence à avoir du sens, car tout est comme un grand jeu de construction avec ces briques d'atomes. Thank you.
carbone, parfois appelé gaz carbonique, est un gaz dont la molécule est formée de deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. Le monoxyde de carbone est le plus simple des oxydes de carbone. Il est composé d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. Sa formule chimique est CO. L'oxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel. Le méthane est une molécule composée d'un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Sa formule est notée CH4. Il est principalement produit par la décomposition des matières organiques, végétales et animales. Le méthane est un gaz à effet de serre et un combustible fossile. Et il est composé de quatre atomes d'hydrogène et un atome de carbone. La molécule du diazote, également connue sous le nom gaz azote, est composée de deux atomes d'azote liés par une liaison chimique, dans lequel deux atomes partagent une paire d'électrons. Sa formule chimique est N2. L'éthanol est un alcool couramment trouvé dans les boissons alcoolisées. Sa formule chimique est C2H5OH. Il est composé de deux atomes de carbone, cinq atomes d'hydrogène et une fonction hydroxyle. Bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium. C'est un produit soluble dans l'eau, non toxique, peu quant biodégradable et polluant. Il ne doit pas être intégré de grandes quantités. Il est utilisé pour le nettoyage, la cuisine, l'hygiène personnelle et pour la santé. Sa formule chimique est NaHCO3. Le glucose est une molécule énergétique que l'on trouve dans les aliments comme les fruits, les bonbons et le pain. Sa formule chimique est 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Notre corps utilise le glucose pour avoir de l'énergie, jouer, penser et grandir. Bref, le glucose est une source d'énergie importante pour le bon fonctionnement de notre corps et notre cerveau. L'hydrogène, il est composé de deux atomes d'hydrogène, aussi appelé hydrogène, un gaz très léger, inflammable et inodore et incolore et non toxique. Le chlorure de sodium ou le sel de cuisine répond à la formule chimique NaCl. Il est composé d'un atome de sodium et d'un atome de chlore. On l'utilise pour conserver les aliments. Il peut être enrichi en fluor ou en iode. L'eau, une molécule précieuse à la vie, est composée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Sa formule chimique est H2O. Et l'eau a une pression ambiante, environ 20. Si la température de l'eau est supérieure à 100 degrés Celsius, l'état de l'eau devient gazeux. Si la température de l'eau est inférieure à 100 degrés, l'état de l'eau devient solide. Si la température est entre les deux, l'état de l'eau devient liquide. L'ammoniac. L'ammoniac est une molécule présentant une structure pyramidale à base trigonale. Elle est composée d'un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Elle est utilisée pour fabriquer des engrais, des produits de nettoyage et de textile. Sa formule moléculaire est NH3. Merci. Ammoniac, NH3. L'ammoniac est un composant d'azote, couramment utilisé dans l'invention chimique. Le dioxygène est un gaz présent dans notre atmosphère et qui nous aide à respirer. Sa formule chimique est O2. Sa modélisation est deux atomes d'oxygène. Le O2 est une molécule de formule chimique O2, appelée communément oxygène, mais dioxygène par les chimistes. Il est constitué de deux atomes d'oxygène. L'acide chlorhydrique désigne un gaz incolore d'odeur piquante, qui est noté HCl. Il est composé d'un atome de chlore et d'un atome d'hydrogène. Le diazote est le gaz qui constitue 78% en volume de l'atmosphère terrestre. Il est non toxique et donc il ne comporte aucun danger pour la santé. Ce gaz est composé de deux atomes, N2. Il est utilisé principalement comme matière pour la production d'ammoniac, d'urée, de nitrate, d'ammonium, afin de fabriquer des engrais azotés. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma molécule qui est l'acide acétique. Alors l'acide acétique est un acide présent dans le vinaigre. Il donne au vinaigre son goût aigre et son odeur piquante. On l'utilise pour assaisonner les aliments et les conserver. On le trouve même dans certains fruits et légumes. L'acide acétique est utilisé dans l'industrie pour fabriquer des médicaments, du plastique et des peintures. Il est aussi utilisé pour nettoyer et désinfecter. Alors, l'acide acétique est composé de deux atomes d'oxygène, deux atomes de carbone et quatre atomes d'hydrogène. Et sa formule chimique est de CH3COOH. Merci à vous.
comprenons les atomes et les molécules, nous comprenons mieux la composition de la matière autour de nous. Puisque les atomes sont liés entre eux pour former des molécules, ainsi que les molécules sont les éléments de base qui constituent toutes les matières que nous connaissons, même notre organisme.